Clap clap, synonyme de bravo. Alors bravo aux 70 enfants et à leurs éducateurs. Le magicien fantastique, prise 1, scène 2. Clap clap comme le clap de début d'une 8e édition placée sous le signe du fantastique, mais qui n'oublie pas ses principes de base avec comme ADN. C'est une rencontre entre l'enfant, l'image, une rencontre entre l'enfant et le cinéma, une découverte. Alors découvrons les sourires des 7-8 ans à l'atelier tournage sur fond vert pour apprendre à jouer, tourner, diriger. Alors, est-ce que c'est bien ? Puis l'atelier fabrication de décors, plus orienté sur les talents manuels, avec toujours des conseils de mise en scène. Mais non, mais on va pas la casser pour de vrai. Ce sera juste pour la scène. Mais pour le géant. Bah oui, mais c'est un autre carton qu'on va faire tomber. Tu vois, on va prendre plusieurs images différentes. Et pour les plus grands, les 10-12 ans, écriture du scénario, ça cogite, ça discute. Leur film, c'est l'histoire des aventures d'un reporter et d'un super producteur. Et là, après, lorsqu'il a envie d'aller aux toilettes, parce qu'il est un peu pressé, il entend une voix et il voit le papier toilette voler. Qu'est-ce qui se passe après ? Bah, en fait, après que le papier toilette ait volé, il refait une interview. Et donc, du coup, là, il commence à chercher qu'est-ce qui se passe. Bref, la suite est encore dans leur tête et le film n'a pas encore de titre. Il sera projeté à la fin du festival. En projection aussi toute cette quinzaine, des dessins animés inédits comme celui-ci, Lou et l'île aux sirènes. Clap clap, c'est donc le festival pour aimer, adorer, kiffer, liker le ciné et tous ses métiers. C'est un moment qui, chaque année, étonne toujours et émeut aussi beaucoup. Émotions au pluriel garanties pour tous jusqu'au 1er septembre. Alors bravo, clap clap.